Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure du mariage. Non, pas du tout, pas du tout, c'est l'heure d'arrêter le mariage entre Bowser et Peach. Allez, on va mettre un stop à tout ça, c'est fini, non mais dites donc là. On est en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas à faire un petit coucou aux Aurélie qui dit ça c'est de la bague sur Twitch. Ah bah. Allez vas-y petit chapeau. Et non, Capi n'a pas pu. On a déjà essayé une fois à l'épisode précédent. On a le temps d'apprendre un petit peu le pattern, ça devrait mieux se passer. Mais c'est vrai qu'avec un deuxième cœur, ça m'aurait bien aidé. Un cœur de 6, enfin 6 points de vie. Allez, bon, on va y aller en direct. Oh, oh. Oui d'ailleurs, tellement direct que j'ai failli... Saute d'abord. Hein, oublie pas de sauter quand même, mon grand. Voilà. Donc, pour réussir à le toucher, il faut esquiver du coup son coup de queue. Esquiver sa flamme. Ah purée. Ou pas esquiver sa flamme. Donc faut esquiver le coup de queue pour qu'il puisse trébucher en fait. Donc la bouboule enflammée, une au milieu, une à gauche, une à droite. Après bouboule classique que l'on peut péter pour récupérer des cœurs au passage, hein, c'est toujours bien. Ah, il y a un bouboule, ouais, ça c'est dommage. Non, on va esquiver. Ah, purée. Ah, c'est con. Oh, ça fait beaucoup de chapeaux. Oh! Alors, donc là, flamme. 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 Bouboule de feu, j'imagine. Bouboule de feu, bouboule de feu. Peut-être qu'il n'y aura plus de bouboule classique, à mon avis. Voilà, plus de bouboule classique. Donc, plus de moyen d'avoir des cœurs. Là, on y va. Il va faire 3 tours de queue, j'imagine. 1 tour de queue. 2 tours de queue. 3 tours de queue. Et il tombe. 1 tour de queue. Ben voilà. Jolie coupe de cheveux. Aïe aïe. On a fait un gros bazar dans la lune. Allez, debout Jean-Michel. Oh. C'est tout en train de partir en cahuète. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben moi je te le dis. Hmm.
Oh là là, toutes les refs. On a vu Bros 1, Bros 3 World et d'autres. Et oui, Mario Zer. Ah, merci. Oh là là. Ah oui, d'accord. Petits éclats en plus. Oh, il y avait un petit cœur. Oh génial. Avec le graphisme de Mario Bros. Non mais franchement. Et même Peach de Mario Bros. Oh là là, si ça c'est pas fabuleux. J'avais complètement zappé. Oh oh. Ou alors zappe pas trop parce que... Dommage. J'ai tombé. Ah, faut tout recommencer là évidemment. Donc super séquence d'action après le boss, je trouve ça très très cool. Vitesse. Non! Oh! Je vais aller trop vite aussi. Allez. Te précipite pas, ça sert à rien. En plus, c'est vraiment pas un passage difficile. C'est un passage très très cool. Enfin, te précipite pas, t'as quand même du temps hein, parce que ça s'effondre. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Je fais n'importe quoi. Allez, fallait se concentrer. Le pire c'est que je vais de moins en moins loin à chaque fois. Et ça m'énerve quand je fais ça. C'est à dire que je m'énerve et que je fais n'importe quoi du coup. Or, pas besoin de s'énerver et de faire n'importe quoi. Il suffit d'aller au bon rythme. Même si c'est dangereux et qu'en bas on va risquer de tomber. Je suis même pas sûr qu'il y ait du temps en fait. Ça se trouve, tu vois là on a du... On a pas... Ok si on a peut-être du temps en fait. Je commence à avoir peur.
C'est bon. En vrai là, saute. Qu'est-ce que quoi là? Il y a un petit côté Sonic Adventure 2. Avec la musique en plus. C'est une musique qui fait très Sonic en plus. Moi, je préfère largement la musique de Pauline. Oula. Oh, on en a marre de ces deux qui se chamaillent tout le temps. Voilà, princesse indépendante. Et voilà, c'est la fin de l'aventure principale de Super Mario Odyssey, mais on est loin d'avoir tout vu, croyez-moi. Ah, le pays des chapeaux. Alors, on va évidemment laisser passer les crédits pour remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce jeu. Et moi, j'en profite aussi pour vous remercier, vous qui avez suivi ce let's play qui n'est pas terminé. Il y aura d'autres épisodes après cet épisode final, entre guillemets. Ah, la transformation en T-Rex. Culte. Bon, il est incroyable, hein, ce Mario Odyssey, quand même. Vraiment incroyable. Merci beaucoup Aurélie dans le chat pour le bravo. J'ai pris autant de plaisir à le refaire que la première fois que j'ai fait. Vraiment, je trouve que c'est... il est d'une fluidité, d'une simplicité, sauf le passage dans le pays de la neige avec la course. C'est une horreur. Bref. Tant de choses magnifiques à voir. Je suis très étonné qu'il n'ait jamais fait de DLC. Un monde supplémentaire ou quoi ou qu'est-ce que, franchement, il y avait vraiment de quoi faire. Après Mario, ouais, enfin Mario, Nintendo, ils sont pas très DLC encore. Hein. Vous avez vu le temps qu'ils ont mis pour le DLC de Mario Kart 8? Hein? Bah voilà. You donc.
Le retour de Pauline, c'est grâce à Super Mario Odyssey que Pauline est bel et bien de retour et qu'elle est jouable d'ailleurs dans Mario Kart 8. J'espère qu'elle le sera dans Mario Kart 9. Nintendo Kart. Vous avez vu la plaque d'immatriculation 1981. Ah oui. Premier jeu Donkey Kong. Donc première apparition de Mario, alors baptisé Jumpman. Tout ça, vous pouvez aussi l'apprendre dans le livre Génération Mario que j'ai écrit. Et qui est sorti d'ailleurs à l'époque de Mario Odyssey. Chez Third Edition, c'est toujours disponible. Hein. Donc n'hésitez pas. Allez sur le site de Third Edition, tapez Génération Mario. Allez à la FNAC, chez votre bibliothécaire, tout ça, vous demandez. Enfin, libraire plutôt. Vous demandez Génération Mario. Et voilà. Ou Génération Pokémon si vous voulez. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette aventure incroyable. Qui a l'air très courte hein, quand on voit le générique, mais quand même, il a fallu un petit peu de temps pour arriver jusque-là. Bah, enfin, oui, non, c'est vrai que c'est assez rapide, en fait, pour finir l'aventure principale, mais croyez-moi, on est loin d'avoir tout vu. On n'a pas encore vu mon pays préféré. Alors oui, j'aime beaucoup le pays de la cuisine, comme je vous l'ai dit, mais... Enfin, si, on a entreaperçu mon pays préféré, mais on n'y a pas officiellement mis les pieds. Vous reconnaissez bien évidemment. Le château de la princesse. Mais avec grand plaisir. Charles Martinet qui était donc, jusqu'à il y a très peu de temps, la voix officielle de Mario. Bon, sa nouvelle voix est très ressemblante. Alors voilà, vous vous souvenez de ces blocs bizarres qu'on avait vus partout? J'allais dire, oh, encore un bloc bizarre, encore un bloc bizarre. Eh bien, voilà. Maintenant qu'on a fini le jeu, il va se passer des trucs. 2017, oh là 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 là. Ah. De nouvelles lunes sont en vente dans les boutiques. On va pas acheter de lunes. On n'achète pas de lunes. Oh, regardez-moi ça, mon pays préféré. Évidemment que c'est mon pays préféré. Je suis un gros nostalgique. On est reparti de la lune et voilà. Tout est si calme, si paisible. C'est comme si notre voyage sur la lune n'avait été qu'un rêve. Mais non, on a bel et bien sauvé nos chères demoiselles. Tout est bien qui finit bien. Cela dit, je préférerais que tout ne finisse pas maintenant. Il nous reste tant de choses à accomplir, tant de chapeaux à découvrir. Et puis si on collecte davantage de lunes de puissance, on pourra sans doute voler vers de nouveaux horizons. En fait... Tout est bien qui ne finit pas, pas vrai? Pourquoi s'arrêter alors qu'on peut continuer? Allez, en route! Et si on se dirigeait vers le château de Peach pour commencer? Et voilà, alors là, quand je suis arrivé là lors de mon premier première run, mais j'ai... De la folie. De la folie. Donc je le rappelle, le let's play de Mario 64, j'allais dire Mario Kart, mais Mario Kart 64 aussi d'ailleurs. Mario 64, Super Mario 64 est dispo, évidemment. Personne veut un petit... Il promène le chien. Luigi! Hey, Frangin, il paraît que t'as sauvé la princesse Peach. Je suis vraiment fier de t'avoir pour Frangin, tu sais. Mais écoute plutôt ça, j'ai inventé un nouveau jeu, ça s'appelle la chasse au ballon. La chasse au ballon est un jeu dans lequel tu cherches les ballons cachés par des joueurs du monde entier. Tu dois savoir que si tu joues, tes records et le surnom de l'icône de ton profil seront visibles par les autres joueurs. Est-ce que tu veux te connecter au réseau pour jouer à la chasse au ballon? Non. Bon bah n'hésite pas à revenir me voir quand tu veux. C'est une mise à jour gratuite si je me souviens bien. Je sais pas où planter ma graine. Tiens. Un petit passage secret vers un autre monde. Le monde de la mer. Alors, les passages dans les tableaux mènent à des zones qui sont autrement inaccessibles. Et c'est pour ça qu'on a pu accéder à l'île de Yoshi et voir le royaume champignon en avant-première, si je puis dire. Et après, ce qui est pratique, c'est qu'on peut y revenir facilement. Vu que là, on a... Un petit...
Ah, à chaque fois, je fais plus au lieu de moins pour la map. Ah, attends, ouais, faut être en. Voilà. On va retourner évidemment au château, hein, mais d'abord, on va essayer de choper les. Voilà. Très bien. Ça nous fera des nouveaux objets à acheter. Oh là 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 là, ce château! Qu'est-ce que je l'aime! Rien là-haut. Ah bah c'était là-bas. L'île de Yoshi, on était là-bas. Accès que j'avais découvert aussi avant de découvrir le château. Donc je crois, j'étais pas sûr. Enfin si, tu me diras si j'avais eu les pièces violettes. Donc je me disais on peut aller au royaume champignon à un moment. Ah oui, je peux pas devenir un toad parce qu'il a un chapeau de feuilles. Oh! Bah, allez. Donc oui, ici ce sont des étoiles. Les lunes sont des étoiles. Ce bruit! Tiens, bah pourquoi je... Bah, j'ai pas autant d'étoiles ici. Pourquoi il me le met comme ça? J'ai l'impression qu'il est resté sur les étoiles du monde de la... De la mer. Mais six moutons se sont échappés, ils se tombent dessus, ramène-les ici s'il te plaît. Oh, 6. On en a vu un tout à l'heure déjà. Ça va être long cette affaire. Ça c'est toujours le truc que je loupe. Ok. Oh, une petite grotte. N'est-ce pas adorable? Oh, on dirait que j'ai tué l'écureuil. Sois prudent dans la forêt, c'est dangereux. Oh! Des baies de Yoshi. Ah bah c'est là où je pouvais le planter. Ouais bah alors là du coup. Hop, y en a un autre. Oh non. Toujours faire le petit tour. Évidemment les pièces classiques ici, la forme. Ok. Donc là, musique de Mario 64, le principe des tableaux, et qu'est-ce qu'on trouve? Un combat de boss? La musique de Mario 64. On retrouve du coup ce boss là. Je sais plus du tout comment je faisais pour le battre. Voilà. C'est des rematchs un peu plus difficiles, je pense.
Vénère. Attention. Oui, parce que je crois qu'il n'y avait pas les petites... voilà, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas les bleus autour. Qui tire aussi. On est éjecté comme dans... Alors là, franchement, si j'ai un gros cœur, ce serait bien. Bon, on peut le retenter. Une fois que t'es au courant, c'est un peu mieux. Hop, on passe directos. Une fois que t'as le pattern, hein, de toute façon. Le centre est épargné en fait, mais... Voilà. Ah merde. C'est quoi? C'était pas trop mal. Allez, il reste plus qu'un coup. Là, faut le passer direct et... Ah! Et comme ça, c'est beaucoup plus simple. Je sais pas pourquoi je veux passer les deux en même temps. Et jeter! Voilà! Rebelote. Par contre, oui, il devrait m'afficher les étoiles là. Je comprends pas pourquoi il m'affiche pas les étoiles. En haut à gauche. Bon. Menu, carte. Activation et liste. J'ai que 3 étoiles là, tu vois, dans ce monde là. Bon, il fait comme il le sent. Si on a envie de faire le foufou. Alors, hop. Des petites pièces. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Coucou. Facile. J'aurais pu la faire en tournant. Je me suis dit c'était le moment où j'allais oublier la manip et pas la réussir. Qu'est-ce que je disais? Voilà. J'aurais pu faire ça. Tiens. Ah ouais, moi je vais voir. Hein.
Les choses bizarres. Oh, le décor. Ah oui, d'accord. Si je... Oui. Je risque de pas aller bien si jamais je sors du décor. D'accord. Drôle. Oh, j'aime beaucoup. Ingénieux. Mais il y a une étoile là. En surmontant les bilbes à l'aplati. Wow. Aïe. Ouf. On est à l'envers là. Ah bah oui. Oh non. C'est honteux. Ah. Mais dans le mauvais sens. C'est effrayant. Effrayant et honteux à la fois. Non! Suffisait de t'abaisser, mon petit loup, pas besoin de tourner. Un peu zinzin. Ça, je pense que je l'avais pas fait à l'époque. Ça me dit vraiment rien. Beaucoup, hein. Franchement, ça tire dans tous les sens. Et Balbil réel. Ils sont plus rapides quand ils passent en 3D. Ça, j'aime pas. Ok. Flouk. Aïe. Alors ouais, alors, le comment s'accroupir quand t'es en rond comme ça, c'est pas toujours évident. J'ai envie de le réussir quand même. Faudrait que j'essaye de ne pas perdre de cœur quand je suis face au pile-balle. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'après en pièces, là, c'est bon. On gagne plus de pièces que ce qu'on perd. Sans trop de pépins. Il y a trop de bilbal. Ils sont allés un petit peu comme des sawas. Comme des sawagas. Hein.
Mais décidément. Bon, une dernière fois. Allez, on va essayer une dernière fois. Parce que sinon je vais m'énerver et du coup je vais pas réussir. Donc plus je m'énerve, moins je réussis, comme d'habitude. Donc plus je fais, moins je réussis. Ça c'est la magie de Lou. Voilà, mais déjà les deux là, c'est chiant à éviter. Voilà, bah voilà, bah voilà, bah voilà. Voilà où on en est. C'est ces deux là en fait qui vraiment m'agacent. L'un coup sur coup, ça me déplaît fortement. Clouc. Allez. En plus l'inertie vraiment ça va là. C'est moins méchant que dans Mario Bros. Dans le vrai Mario Bros. Que vous pouvez voir en let's play sur ma chaîne également. Voilà c'est pareil. Allez c'est reparti pour un tour. Entraîne-toi. Je vous jure, j'arrive pas. Mon cerveau, il a trop du mal là. Et c'est pas Mario Galaxy hein, là, c'est clair. C'était beaucoup plus simple dans Galaxy. Baisse. Je vais arrêter parce que là, ça m'agace. Et en vrai, c'est pas simple parce que tu passes gauche, droite, machin, bas. Enfin, c'est. C'est relou. C'est dommage. On fera des choses, on fera des niveaux relous plus tard. On est là pour profiter du royaume champignon. Parce que c'est pas tous les jours qu'on peut revenir au royaume champignon quand même. Rebondir là-dessus, non? Ok. Alors, tant que j'y suis... N'est pas allé voir tout ce petit monde. Coucou les Toads. Alors, vous voyez, ils ont tous un chapeau. Hein. On ne peut pas posséder de Toad. Enfin, quand j'ai possédé incarné. Quel étrange véhicule. Mais non. Ça, je me souvenais pas non plus, tiens. Une boutique? Allons voir. Ah! Mais enfin! Voilà. Ouf! Bonjour! Salut! Et regardez. Oui, j'achète. La tenue ici. Ah bah, je le porte directement, oui. Clairement, je me change. Ah, mais j'ai pas assez pour le reste. Ah, mais oui, mais ça me le faut! Plein de déco hyper intéressante. Et voilà. Le Mario de Mario 64. Oh ce costume, j'étais fan aussi. Oh mon dieu, mais les idées de ouf. Ah bah regarde, là il y a trois pièces.
Oh. Voilà. Oh non mais c'est drôle. Bon, allons au château. Mario, c'est terrible. La princesse Peach a de nouveau disparu. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait une grosse valise et un grand sourire. Depuis, je ne sais pas où elle est partie. C'est quoi cette affaire? Regardez, c'est le même. Ah, attendez. Normalement, si j'ouvre... J'ai pas vu... Je crois qu'on a plus de vue subjective, en fait, dans ce jeu. Mais où est Peach? Toadette. Salut Mario, toujours en train de courir le monde? On peut dire que tu ne t'es pas ménagé ces derniers temps. À propos, je t'ai dressé une liste de challenges à relever pour pimenter un peu tes aventures. Pour chaque challenge réussi, je t'offrirai une lune, d'accord? Oh, t'en as déjà un au compteur, sauveur de la princesse Peach. Félicitations! Pour t'aider, je te donne les noms des lunes correspondant à chaque challenge ainsi que des petits indices. Tu trouveras tout ça dans la liste des lunes que tu peux consulter en appuyant sur Y après avoir ouvert la carte avec moi. Ah ouais. Rétablisseur de la paix dans le monde, ramener la paix dans tous les pays du monde. Chevalier de la lune, collecter des lunes, collecter des lunes, collecter des lunes. Dépenser des pièces locales dans tous les pays. Je l'ai pas fait. Collecter des lunes 8 bits. Des lunes 8 bits. Ah oui, bah c'est les lunes dans les niveaux Mario plats. Collecter des lunes trouvées dans des coffres, tout ça. Course de notes. Athletic Tac. Capitaine Toad. Rencontrer la princesse Peach en voyage autour du monde. 10 fois. Collecter des lunes en rassemblant les moutons. Oh. Rencontrant Goombette. Ah, je l'ai fait mal de fois. Pêcher des lunes en la qui tue. En faisant pousser des graines. Les lapichous. Les... Oh là là, mais il y en a plein. Oh, j'allais tout lire, mais en fait, non. Mon Dieu. Dans la liste de lunes, tu peux voir les noms de toutes les lunes de puissance que tu as collectées. Ça peut toujours servir. Sur ça, amuse-toi bien et reviens me voir si tu penses avoir réussi un nouveau challenge. Je pense que j'en ai fait d'autres. Félicitations Mario, tu as réussi un nouveau challenge. Il s'agit de celui-ci, rétablissant de la paix dans le monde. Je savais que tu y arriverais. Tiens, je te donne cette lune, tu l'as bien méritée. Attends, t'as aussi réussi un autre challenge? Celui-là, chevalier de la lune. Attends, t'as aussi réussi un autre challenge, amateur de lune plate. Et puis, course aux notes autour du monde. Ah, on fait la récolte là. Hein. Et puis, il y a aussi connaissance de Capitaine Toad. Et puis, chapeauteur de talent. Et puis, tenue bien assortie. Et puis, amateur de souvenirs. Eh ben. Et puis, passionné de souvenirs. Ah bah oui, ça c'est vrai qu'on en a acheté beaucoup. Et puis novice en champimorphose. Et puis apprenti en champimorphose. Champimorphose, pardon. Et puis amateur de drapeau relais. Et puis bourré de pièces. Et puis vraiment farci de pièces. On pourrait pas tout donner d'un coup quand même. Ah non, c'est bon. On a fini là. Mademoiselle Tiara qui était avec elle a aussi disparu. Bon, le château est plus petit quand même que dans les autres jeux. Hein. Là, il n'y a que ça. Tiens. C'est un indice, ça? C'est un peu sommaire.
C'est au pays des chapeaux, ça c'est sûr, mais bon. Mais oui, Peach. Ah, évidemment. Oh, j'adore voir Mario comme ça, c'est trop rigolo. Alors, ah, attendez, oh, il y a plein de trucs à explorer. C'est trop cool le scooter, j'aimerais bien pouvoir en faire moi aussi. Bah, va dessus. Le capitaine est parti à la boutique. Tellement de choses à voir. Ouf. Ah oui, je peux pas courir là. Je peux pas courir, je peux pas chapeauter. Mince. Je voulais rouler, mais j'ai pas. Ah bah tiens. Le bois des Goombas. Attends. Il paraît qu'on peut jouer à Portrait Craché au pays des nuages. Où est-ce qu'on va là? Ah bah Portrait Craché. Portrait Craché, Portrait Craché, qui veut tirer un beau portrait? Si tu parviens à mettre les différents éléments à leur place, je te donnerai une lune. Tu veux essayer? Fantastique, je t'en prie, monte sur la scène. Laisse-moi t'expliquer comment se déroule une partie de Portrait Craché. C'est simple, l'objectif est de remettre en ordre les morceaux de bouillie qui ont été éparpillés. Pour ce faire, utilise la chapimorphose afin de déplacer et de faire pivoter les différents éléments. A chaque fois que tu déplaces un élément, il disparaît. Mieux les éléments sont placés, plus tu gagnes de points. Pour l'emporter, tu dois obtenir au moins 60 points, mais ça ne coûte rien de faire mieux. C'est parti, casse-toi la tête pour recréer la bouillie la plus fidèle possible. Oh purée. Très Mario Party ça. Ressemble à ça hein. Qu'est-ce que hein? Ça c'est Nike. Pourquoi l'œil? Ah oui l'œil, oui. Ça disparaît quand il est placé, d'accord. C'est chaud. Oh purée. Les sourcils ressemblent à quoi de Mario? Ils sont plutôt comme ça, non? Ouais, je dirais comme ça. Oh, ça va être beau à la fin, je le sens. Placer le pif. Non, bon. Ça aussi, tu me diras. Oh, j'ai hâte de voir le résultat. Tu peux lui faire des petites dents de vampire, c'est mignon. Tu as terminé ? Alors, voyons voir ce que ça donne. Souviens-toi qu'il te faut 60 points pour pouvoir crier victoire. Voici ton score. Ah oh, mon dieu. 66. Magnifique. T'as réussi ton coup. Comme promis, tu repars avec une lune. Fais-moi un Mario. Ah ouais. Œuvre d'art. Œuvre d'art. Envie de remettre encore une fois cette bonne vieille bouille en ordre? J'ai augmenté un peu la difficulté. Une lune? Hein? Allez. Fantastique, je t'en prie, monte sur la scène.
Grave-toi bien cette bouille dans la tête. Ok, les sourcils sont vraiment au niveau des... Ouais, d'accord. Ok. À chaque fois que tu places un élément, il disparaît, oui. 80 points. Oh mon dieu. Ah oui, d'accord. Non, 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 non. Non, laisse tomber, là, c'est trop bête, bouton. On viendra. On viendra. Ah non, mais quelle affaire. Bon, j'ai encore plein de choses à voir là. Alors attends, j'étais remonté vite fait, oui, pour faire ça. Allez. Complètement loupé. Alors, moi je voulais aller sur le toit du château. Vous vous souvenez de ma 64? De ce qu'on trouve sur le toit du château. Oh. J'y prendrais bien un bon bas de nostalgie, moi. Si tu t'habilles comme au bon vieux temps, je te laisse rentrer, d'accord? T'es parfait, exactement comme mon beau vieux temps. Nostalgie quand tu nous tiens. Je t'en prie, entre. C'était la belle époque. Oh. Alors là. Bon, vous avez vu où on est? C'est dans Mario 64, c'est le... Le jardin de l'époque, quoi. En revanche, si je l'ai tué dans l'ordre, merci bien, quoi. Truc de voyage, plongeon spécial. Sauter, lancer votre chapeau, appuyer sur ZL dans les airs et immédiatement appuyer sur Y. Vous plongez sur votre chapeau parce que par contre c'était beaucoup plus loin. C'est ce que je sais pas faire. Non, ça va pas. Ça va pas. Pas mal, faut le réussir. Alors j'essaie de... Ouais, tu peux le faire que... En mode Joy-Con. Ok. Oh purée. Oh. Quel idiot. Comment veux-tu arriver? Un. Deux. Je suis pas dans le bon ordre. Oh là là là. Non mais déjà pour les reconnaître, une fois qu'ils te foncent dessus, c'est hyper compliqué. No comprendo. Bon. D'autres choses à voir. J'avais dit aller sur le toit. Ah goombette. Comment je fais pour aller sur le toit? Voilà.
tombe pas. Hein. Ça glisse? On sent que ça glisse. Ça va. Oh! Voilà! Mais évidemment qu'il est là. Sauf que là, je suis Yoshi. Il y a un Yoshi sur le toit. Comme dans Mario 64. Attends, il y a une Peach à la fenêtre aussi. Ah oui, d'accord. Oh là là. Genre là, il n'y a rien. Sérieusement. T'es où, Yo-Yo? Oh. Il disparaît. Bon, il se balade sur le toit. Allez. Ah. Attends, sérieusement, il n'y a rien d'autre? Ah, elle est là. Oh. Ah oui, en revanche, oui. D'accord. Alors, attends. L'œuf a disparu carrément? Bah, super. Ah non, il est... Bah... Ah oui, non. Il restait là, en fait. Oh, pardon, Yo-Yo. Pauvre bête. Ah, je peux pas faire de saut. Perché sur le toit du château. Est-ce qu'il peut grimper aux arbres, Yo-Yo? Non. Ouais, alors c'est très relou quand même. Voilà. Un petit labyrinthe. Oh, comme c'est grand quand même ce monde. Petit coin de paradis. Oh, attends. Il y a un fichu lapinou. Voilà. Avec un coup de langue, tac. La Pichou chez la princesse Peach. Il faudra lui ramener ça. Ouais, bon. En Mario, hein, parce que là, Yo-Yo, c'est plus compliqué. Non, mais... Voilà. On n'a même pas encore tout vu, hein, de ce royaume. Oh, regardez, y'a Nessie. Oh, formidable. Oh mince, ah oui, c'est vrai. Les Yoshi, comme dans Sunshine, ils n'aiment pas l'eau.
Le lac aux champignons. Parce que là, on voit des champignons. Et les crabes. On n'appelle pas ça le lac aux crabes pour autant. 81. Aurélie qui dit c'est perturbant de voir un Yoshi Mario ou un Mario Yoshi. Bon, c'est juste Yoshi qui a une moustache et des yeux bleus. Bon, j'espère que ça peut être un niveau zinzin ici. Oh, c'est Monsieur Poulpe. Allez, on va se le tenter. Aïe, aïe, oh, ça commence bien cette affaire. Le problème c'est quoi, je vais être vite à court et je vais tomber dans le vide et je vais mourir. Comment ça je peux pas monter? Ah, après avec la pluie, ah oui non mais comme il pleut, non je reste D'accord, je reste humide comme il pleut. Je crois qu'il faut que je rebondisse sur sa tête. Franchement. Oh, point de rematch compliqué. Je préfère profiter de mes vacances ici au royaume champignon. Oh, là aussi c'était encore un boss. On verra ça une autre fois. Alors attends. Il y a peut-être un truc à planter. Oui. Ah, enfin. Youpi. Bide. Bon, on a récolté vraiment plein de pièces. Genre, aïe. Plein. On va aller faire des achats. J'achète. Bon, il me faut à tout prix. Ouais, je vais garder ça. Le château de Peach, évidemment. Et voilà, l'autocollant. Voilà. De nouveaux articles, évidemment. Ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme tenue sympa? Casquette classique. Pour le prochain épisode, comment on peut... Oh là, il y a tellement de trucs. Il y en a vraiment beaucoup. Ah oui, vraiment, vraiment beaucoup. Très cher. Ouais, c'est pour le prochain épisode. Donc on reste sur un style classique, mais différent. Voilà. Alors, la salopette est rouge du coup. Non, ce que je voulais, bah, c'est repartir à l'Odyssée. Hein.
Encore? Bah, attends. Oui. Alors, la fois prochaine, où est-ce qu'on ira? Donc le royaume champignon. C'est le premier en fait, c'est le monde zéro au final. Vous voyez, c'est le petit champignon qui est là. Il va falloir qu'on retraverse un petit peu tout. J'avais jamais fait gaffe, je crois que c'est une tête de Triceratops, le pays des chutes. Le pays des sables. La forêt, le lac, les nuages, pays perdu, pays des gratte-ciel, pays de la mer, pays des neiges, pays de la cuisine, pays des ruines, pays de Bowser, et pays de la lune. La fois prochaine, je pense qu'on retournera au pays des chapeaux, un petit peu pour voir ce qui s'est passé entre temps, parce que les mondes ont un petit peu changé depuis qu'on a fini le jeu. Enfin voilà, ça m'a vraiment plu de vous montrer tout ça dans Mario Odyssey. On se retrouve très très bientôt pour la suite, très très vite. Allez, n'oubliez pas de consulter tous mes autres let's play, plein de jeux Mario terminés sur ma chaîne, et puis plein d'autres jeux tout court, plus de 400 let's play différents. Waouh, dites donc, c'est énorme. Allez, à bientôt, ciao ciao.